Riviette, c'est Johanna Swan. Aujourd'hui, je vais vous partager l'une de mes recettes pour une lessive faite maison qui est à la fois économique et écologique. Pour réaliser cette recette, il vous faut des huiles essentielles, donc peu importe les parfums, que vous aimez plutôt les fruits, ou vous êtes plutôt menthe, ou vous aimez le citronnelle par exemple, ou encore la lavande. N'importe quelle huile essentielle fera l'affaire, il suffit que ce soit une de votre choix. Ensuite, il vous faudra du bicarbonate de soude. Alors moi, j'ai déjà dans des pots hermétiques ce que j'achète dans des gros contenants, puis je les transverse ici. Au lieu de les acheter en petit format, c'est beaucoup plus écologique et c'est beaucoup plus économique. Il vous faudra également du savon de Marseille. Alors attention avec le savon de Marseille, il faut qu'il soit de couleur verte. Même quand il est vert, il peut contenir de l'huile de palme. Donc j'utilise 50 g de savon de Marseille que j'ai préalablement râpé à l'aide d'un économe pour gagner du temps à chaque fois que je fais mes recettes. Donc j'utilise une balance de cuisine au grammage près. Et je mets bien mes 50 grammes. Une fois le compte est bon, je mets le tout dans une casserole, prêt à être chauffé. Et pour gagner un peu de temps, je fais bouillir 1 litre d'eau. Comme ça, je suis tranquille. Je n'ai plus qu'à verser l'eau chaude dans mon récipient avec mon savon de Marseille. Vous voyez déjà la couleur et commence à changer. Je remue un tout petit peu, j'allume le feu et je laisse fondre le savon de Marseille. J'ai tendance à le couvrir pour gagner un peu de temps. Je vérifie régulièrement pour voir si le savon a dissous. Donc là, ça a bouilli, donc je sais qu'il n'y a plus de traces de savon. Ensuite, là, vous voyez, le savon a complètement disparu. Je peux rajouter 1 demi-litre d'eau froide qui lui donne une charmante petite couleur. Une fois que ça a bien refroidi, je remélange. Et par la suite, je rajoute mon bicarbonate de soude. C'est 1 cuillère et demie, ça suffit largement. Voilà, c'est une recette vraiment très basique. Et je mélange de nouveau pour m'assurer que le bicarbonate soit bien mélangé dans toute ma lessive. Et je rajoute quelques gouttes d'huile d'essentiel. Ensuite, j'utilise un entonnoir. J'utilise une bouteille en verre, donc je recycle beaucoup. C'est une bouteille de jus, tout simplement, que j'ai lavée. Et j'ai plus qu'à verser à l'aide d'une louche en essayant de pas trop faire de dégâts. Donc à cette étape-là, ça me fait l'équivalent de 2 bouteilles et je n'ai plus qu'à laisser ouvrir pour que ça puisse se refroidir tranquillement. Et voilà votre petite recette. Et puis si vous voulez un adoucissant, je vous conseille d'utiliser autant d'eau que de vinaigre blanc et vous rajoutez encore des huiles essentielles. Le tour est joué. Voilà le résultat final, je suis très contente, donc c'est parti pour plusieurs lessives à mettre directement dans le tambour.